Bonsoir tout le monde, j'espère que vous passez une superbe soirée pour le gala des prix Panache. Je me présente, Isabelle Lepage. Alors, lorsque j'étais jeune, j'avais une tumeur au cerveau et puis en fait, je l'ai toujours cette tumeur. Au total, maintenant, j'en ai cinq. J'ai subi une opération en 2002. Malgré tout, ça ne m'a pas empêché de continuer ce que j'aime faire. Par-dessus tout, je fais de l'épilepsie, c'est causé en raison de ma tumeur. Et aussi, j'ai deux maladies sanguines, et puis, dont une est une allergie à la pression, que ce soit de la pression physique ou non physique, telle que le stress. En fait, j'y suis allergique. Donc, médicaments, j'ai un très, très gros bagage. Donc, depuis l'âge de 7 ans, en fait, je traverse tous les jours des défis que la santé m'apporte. Je crois que je les traverse relativement assez bien parce que, écoutez, lorsqu'on est malade, c'est là qu'on voit vraiment l'essence de la vie, pourquoi nous sommes ici. Et puis, on remet plusieurs choses en perspective. Et je crois que c'est ce qui nous donne le goût de redonner au suivant, de donner tout ce qu'on peut, en fait. Et de ne pas abandonner, de ne pas lâcher les bras et de ne pas s'asseoir juste à rien faire. Alors, je vous parle un peu de mes accomplissements, de ce que j'ai fait et puis ce que je crois m'a apporté à être nominée, à être récipiendaire pour le prix Panache pour persévérance scolaire. Alors, un matin, je me réveille et je reçois un courriel de la part de Sylvie Fontaine qui m'indique que je suis la récipiendaire d'un prix Panache pour persévérance scolaire. Bon, alors je lis ça et je me dis, OK, c'est quoi exactement ce prix? Je ne comprends pas sur le fait. Alors, je lis un peu plus loin dans le paragraphe et on m'indique que c'est pour féliciter les étudiants qui ont œuvré dans la communauté tout en étudiant. Bon, alors je lis ça et puis je me dis, bon, ce que j'ai fait, écoutez, pour moi, ce n'était pas grand-chose. J'ai vraiment fait ce que j'ai fait de bon cœur. Pour ceux qui me connaissent, je suis déménagée à Toronto en janvier 2013, après avoir été un an et demi à l'université de Hearst. Les raisons qui m'ont poussée à déménager à Toronto, eh bien, c'était pour poursuivre mon université, un baccalauréat SR international, donc un IBA en traduction trilingue, c'est-à-dire en français, anglais et en espagnol, avec une certification en rédaction. Et je poursuis ce IBA à l'université York, au campus Glendon. Donc, c'est vraiment les raisons pour lesquelles qui m'ont poussé à déménager ici à Toronto. Du même coup, je me suis trouvé un emploi à Toronto French School. C'est une école privée, française, bilingue, donc une très très belle place où que je ne risque pas de perdre mon français. J'ai été très chanceuse de recevoir ce poste à Toronto French School parce que cette école privée est l'école internationale du Canada. Alors, je m'implique beaucoup, je travaille au-delà de 25 heures à 30 heures semaine et là-dessus je poursuis malgré tout mes études. Donc si je fais un petit flashback, un retour dans le temps, au secondaire, eh bien j'ai interprété en langage des signes québécois souvent pour une étudiante sourde, que ce soit des pièces de théâtre, que ce soit des discours ou des conférenciers ou peu importe, j'interprétais. Autre chose que j'ai fait, eh bien, j'ai donné des cours d'espagnol, des cours de langage de signes. J'ai aussi fait un souper culturel pour ramasser des fonds pour le voyage Italie-Grèce. Également, durant mon secondaire, j'ai travaillé avec la radio Cinéfm pendant 5 années, 50 ans. Et puis, j'ai vraiment apprécié ces 5 années. C'était des très, très belles années où j'ai beaucoup, beaucoup appris. Donc, pour mon secondaire, j'imagine que ça couvre pas mal tout ce que j'ai fait. J'ai sûrement fait autre chose, des tâches, par exemple, je me souviens d'avoir fait du bénévolat à l'hôpital Notre-Dame de Hearst et plusieurs autres petites affaires ici et là. Mais ça, c'est vraiment
les highlights qui ont couvert mon secondaire. Ensuite, lorsque je suis allée à l'université de Hearst, eh bien, j'ai donné des cours de langage des signes au professeur à l'université de Hearst. On me l'avait demandé et puis j'ai dit pourquoi pas, écoutez, je vais essayer. Je l'ai fait au secondaire, donc j'ai présenté au professeur un cours de langage des signes québécois. Par la suite aussi, j'ai interprété plusieurs fois pour encore une fois des conférences, des cours ou peu importe pour cette étudiante sourde. Aussi, autre chose que j'ai fait, j'ai été transcriptrice pour cette étudiante même. Donc, pendant les cours, 3 heures de temps, j'étais à l'ordinateur et j'écrivais les cours, ce que le professeur disait. Autre chose, eh bien, il y avait toujours la radio CINEFM. J'ai fait de la traduction, j'ai œuvré plusieurs fois auprès de ma communauté, de ma thèse et de Valcôté pour les amis de la Miss Naibi. Alors, vraiment, j'ai œuvré beaucoup dans ma communauté, oui, je dois dire, mais vraiment, la raison pour laquelle je fais ce message aujourd'hui, c'est pour remercier ceux et celles qui m'ont nominé pour ce prix. Alors, je ne connais pas les noms de ceux ou celles qui m'ont nominé, mais je dois dire que c'est tout un honneur de recevoir ce prix de persévérance académique, persévérance scolaire, parce que je me dis, écoutez, je suis déménagée, je n'habite plus à Hearst, ça fait maintenant plusieurs mois, mais c'est tout un honneur de se réveiller un matin et de voir que ma communauté me supporte, ma communauté m'encourage, ma communauté m'appuie et est derrière moi. C'est vraiment, comment je pourrais dire, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que dire, c'est un honneur en fait. Alors, je tenais vraiment à vous remercier tous ceux et celles qui ont pensé à moi en voyant qu'ils pouvaient nominer des gens. Donc, merci de m'avoir nominé pour ce prix. C'est très, très apprécié. Et puis, écoutez, je vais continuer à faire ce que je fais. Je n'ai pas changé. Même ici à Toronto, je fais du bénévolat pour Epilepsy Toronto et je cours des marathons. Je fais du bénévolat, on enveloppe des cadeaux. Je prépare des festivals ici et là avec des organismes. Écoutez, ce n'est que le début. Je pourrais dire que Hearst, ce n'était que le tip de l'iceberg. Je ne compte pas m'arrêter juste parce que j'ai terminer mes 40 heures de bénévolat que j'ai dû faire pour le secondaire. Non, non, ça ne s'arrête pas là. C'est certain que ça finit pas là. Je crois que qu'on aime apporter à notre communauté et toujours se prouver et remonter des défis. Il n'y a pas de limite. Il n'y en a vraiment pas. On continue jusqu'à temps. En fait, on continue, on fait juste continuer. Il y a pas de point, il y a pas de pause non plus. Je veux dire, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et puis moi, dans mon cas, eh bien, j'adore faire du bénévolat, j'adore œuvrer dans ma communauté, j'adore profiter de la vie et surtout apporter de quoi de nouveau à ma communauté si je suis capable d'apporter du nouveau. Et c'est sûr qu'un jour, j'aimerais possiblement retourner à Hearst. J'ai toujours Hearst dans mon cœur. Jamais je ne vais vous lâcher. Vous êtes là pour moi, m'encourager, et puis c'est très, très apprécié. J'avoue encore une fois que c'était vraiment une surprise, quelque chose auquel je ne m'y attendais pas. Recevoir ce prix, c'est vraiment, c'est un honneur, c'est, je crois qu'il n'y a pas de mots pour décrire à quel point j'en suis heureuse et j'en suis honorée. Alors, merci beaucoup pour ceux et celles qui ont pensé à moi quand ce fut le temps de faire cette nomination. Et puis, sachez que bien que je suis à plusieurs kilomètres de vous, je pense à vous assez souvent. Merci beaucoup tout le monde et bon gala. Au revoir.